Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous montrer des dessins à nouveau qui sont là-dedans. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, ce sont les dessins au format A3. Et j'en ai fait beaucoup ces derniers temps sur ma fierté. Donc je pense que beaucoup comprendront suite à le cover de la dernière fois et la dernière vidéo. Et donc j'avais fait beaucoup de dessins là-dessus ces derniers temps. Il y en a vraiment, il y a beaucoup là-dessus, mais pas que, mais je pense que je vais surtout vous montrer cela. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, eh ben, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, donc vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et si vous voudriez m'écrire, eh ben, vous avez également mon mail dans la barre d'infos. Donc vous m'écrivez un mail et je vous enverrai mon adresse si jamais vous souhaitez m'écrire. N'hésitez pas à me dire également parmi les dessins que je vous montre lesquels sont vos préférés. Et donc juste petite parenthèse avant de commencer, suite à ma dernière vidéo avec mes stone art, et ben là je propose pour en vendre. Donc vous pouvez regarder sur Instagram. Donc là j'ai fait un post là-dessus sur quel galet je vends. Et je peux également en faire des personnalisés. Donc n'hésitez pas à aller voir ce post. Sinon, si je pense, je le mettrai précisément dans la barre d'infos. Et si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez me contacter en privé pour me dire quel galet vous souhaitez et si vous en voulez des personnalisés. Donc c'est parti, là on va ouvrir cette pochette. Donc ça c'est ma pochette d'art appliqué. Et puis vu que ben, je ne retournais plus en cours, ben, tant qu'à faire, j'ai mis des petits dessins dedans. Et je me demande si j'ai peut-être pas dessiné quelque chose là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce serait sympa pour que je fasse un dessin sur cette pochette. Ce serait cool avec des Posca parce que j'ai des Posca clairs. Donc ce serait sympa. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Et donc j'ai pas mal de dessins là-dedans. Hop. Où à chaque fois je mettais une date. Donc je pense que je commencerai par le plus ancien. Donc ça ce sont vraiment des dessins que j'ai fait pendant, enfin où j'ai commencé à la fin du mois dernier. Et donc là j'avais vraiment envie de faire du sur la 4. En plus c'est du papier qui est un peu cartonné, donc il est vraiment bien. Si j'utilisais votre alcool, et ben ça va pas vraiment traverser. Donc le dessin là il date du 20 juin dernier. Donc c'est sur la fierté LGBTQI+, avec l'égalité des sexes, le point levé pour le Blackout Tuesday. Et je sais pas si vous voyez très bien, mais du coup là d'un côté on a plus de cils, donc j'ai voulu représenter également le côté féminin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je trouve, pour ce qui est de l'inspiration, je trouve beaucoup TikTok, Pinterest, Instagram aussi. Et après j'y rajoute ma petite touche personnelle. Là ici toujours sur le drapeau des fiertés, et ben je l'ai représenté sous forme de paysage. Voilà, comme ceci. Et ce dessin là je l'ai commencé le 21 juin au soir et je l'ai terminé le 22. Ensuite sur ma propre fierté, donc là dessin que j'ai fait le 21, on a celui-là. Avec juste les couleurs du drapeau bi qui sont majoritaires. Donc voilà. J'aime beaucoup ces petits côtés un peu en noir et blanc aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons celui-ci. Donc un ange avec des ailes aux couleurs des fiertés. Que j'aime beaucoup également. Donc, et donc ça je l'ai fait à l'aquarelle, ou plutôt plus précisément au crayon aquarellable. Donc j'ai passé le crayon et après avec un pinceau et de l'eau, ben, j'ai étalé tout et ça m'a donné cet effet. Et donc je mets toujours ma petite dédicace en bas. Et derrière je note la date
donc à laquelle j'ai fait le dessin et l'âge que j'avais. Donc celui-ci date du 22 juin. Ensuite, j'ai fait cet oiseau aussi aux couleurs de ma fierté, avec le drapeau en fond fait au crayon aquarellable, avec plusieurs mots comme love, pride et bisexual, et des petits cœurs. Ensuite, aucun rapport avec ma fierté, mais je voulais vraiment le faire. C'était celui-ci, sur Animal Crossing. Donc le petit géroïde des travaux publics pour ceux qui ont la version New Leaf, qui reçoit de l'argent et qui est tout ému d'en avoir reçu autant. Et merci pour votre donation en anglais. Je l'aime beaucoup. Ça n'a aucun rapport avec le thème, mais ce dessin, je l'aime beaucoup. Et je l'ai fait le 27 juin. On reprend avec les fiertés, celui-ci, donc avec le drapeau des fiertés et le point levé du Blackout Tuesday, avec différentes couleurs de peau allant de la plus foncée à la plus claire. Ensuite, également pas vraiment de rapport, j'ai fait ce dessin-là, que j'aime bien, un petit coucher de soleil. J'ai fait celui-ci, donc ça c'était pour un concours sur Instagram, donc un concours de dessins. Et en fait sur ce compte s'organise environ chaque mois un concours et deux dessins gagnent. Et le thème c'était 50 nuances de vert. Donc j'avais représenté ça avec différentes nuances de vert avec les feutres à alcool, avec une perruche, un petit effet tropical qui fait penser un peu à l'été. J'ai ce dessin-là de 13 Reasons Why. Donc, vu que j'ai enfin fini la dernière saison, j'ai vraiment pris du temps pour la terminer. C'était vraiment génial. J'ai même pleuré à la fin. Et on va dire un peu, entre guillemets, pour fêter ça, et ben j'ai fait un dessin. Donc là, on voit pas très bien, mais il y a écrit 13 sur la cassette, avec Clay Jensen et Anna Baker ici. Et enfin, donc ce dessin-là, je l'ai fait hier, c'est celui-ci, By and Proud, donc avec un drapeau des fiertés, malheureusement des petites traces sur les bras, mais comme quoi qu'il ne faut pas abandonner, quoi. Et donc du coup, voilà, comme je le disais, c'était majoritairement des dessins sur ma fierté, mais il n'y avait pas que, mais c'était surtout en majorité ça. Et donc ça c'est vraiment des... je l'ai fait, ça c'est des formats A3. Et comme vous voyez en fait le papier il est un peu cartonné, il n'est pas si fin que ça. Donc c'est vraiment bien de travailler là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre dessin préféré. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, donc vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc vous avez mon adresse mail également dans la barre d'infos. Et je vous enverrai mon adresse si vous voulez m'écrire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !